Sur un simple bout de papier, le collectif Sauvons la Vallée compte et recompte le nombre d'avis émis lors de cette enquête publique. Il est midi et demi, et après 7 semaines de consultation, l'épais dossier est enfin clos. 2589 citoyens ont établi des remarques et des observations. Un chiffre très important, gonflé par la possibilité de donner désormais son avis via Internet. Une mobilisation qui pèsera dans la décision finale, espère Michel André. On peut considérer à partir de là que aussi bien le porteur de projet que les services de l'État vont quand même en tenir compte et peut-être prendre une décision qui pourra aller vers un moratoire, ce qui permettrait sans doute d'avoir une véritable concertation, de se mettre autour d'une table et de discuter ce qui peut être fait, ce qui ne peut pas être fait. Mais pour le conseil départemental, ce n'est plus l'heure des négociations. Si tous les feux sont au vert, les travaux débuteront à la fin de l'année. On n'est pas dans une république bananière, ce sont ni les châtelains, ni des mouvements autoproclamés qui décident, ce sont ceux qui ont les mandats du peuple, et ceux qui ont le mandat du peuple, ce sont les élus. Donc il est normal que les élus respectent les procédures, respectent la légalité, mais au bout des procédures, il faut accepter l'idée que si les travaux peuvent être réalisés, ils seront réalisés. L'avis des commissaires enquêteurs sera donné dans un mois. Puis, ce sera le tour de la préfète de la Dordogne qui devra se prononcer sur le projet. Rappelons que celui-ci porte sur un contournement de Bénac de 3,2 km pour un coût de 32 millions d'euros.